c'est Marie Bernard de la Fondation du CHUS. Donc, on est très heureux aujourd'hui d'accueillir Annie Masson, qui a gagné le gros lot de 10 000 $. Donc, félicitations, Madame Masson. On travaille en collaboration avec l'équipe de soins qui sont sur le terrain, l'équipe des psychiatres, l'équipe de gestion qui offre des services à nos usagers, à la population. Et en tant que pandémie, c'est sûr que nos équipes sont très, très sollicitées, mais ils font un travail impeccable là, auprès de la clientèle. Depuis environ une dizaine d'années, j'achète des billets pour le tirage voyage. Pour moi, c'est important de collaborer avec la Fondation puisque la Fondation est présente auprès des usagers, auprès des employés. Étant aussi une travailleuse du CIUS de l'Estrichu, ben je vois concrètement ce que la Fondation fait. Fait que pour moi, c'est de rendre un petit peu à la Fondation en participant à différentes activités de financement là, qu'ils offrent. Après avoir reçu l'appel de Sylvain Couillard, j'ai contacté mon conjoint qui travaille aussi au CHSLD Memphrey-Magog, au CIUS de l'Estrichu. Malheureusement, j'ai pas été capable de le rejoindre tout de suite parce qu'il était sur le milieu du travail. Mais j'ai réussi à contacter mes filles qui ont 20 et 23 ans. Donc, je leur ai fait un FaceTime rapide pour leur annoncer la nouvelle. Et tout comme moi, les filles sont très expressives, donc c'est sûr qu'ils ont eu une très grande réaction. Ça criait, ils étaient très heureuses pour nous. Et fait qu'on avait des, il y avait déjà des plans, eux autres, là, sur qu'est-ce qu'on allait faire avec ce beau montant-là. Au courant de la dernière année et demie, nos priorités ont changé. On voyage moins compte tenu de la pandémie puis des différentes restrictions qu'on a. Donc, on a choisi de s'installer confortablement à la maison pour pouvoir en profiter puis pour pouvoir décrocher aussi quand on est de retour à la maison. Donc, au printemps, on s'est acheté un spa qui sera livré à la fin août. Donc, le 10 000 $ servira à couvrir les frais du spa. Donc, c'est un superbe cadeau que la Fondation nous offre. Ce que j'apprécie beaucoup avec le tirage voyage, c'est que c'est simple de se procurer des billets. Si on est employé du CIUS de l'Estrichu, c'est possible de se procurer un, deux, trois billets, de faire prélever directement sur notre paye le montant du billet à 2-3 $ là, par paye. Pour ce qui est de la population, si vous souhaitez participer aussi, le tirage voyage, le lancement se fera à l'automne prochain, mais c'est aussi très simple de se procurer des billets, soit en appelant directement à la Fondation ou encore en visitant le site internet de la Fondation du CHU. Donc, profitez-en, participez, c'est accessible, puis ça fait une grande différence auprès des usagers et des proches des centres d'établissement du CIUS de l'Estrichu.